jamais vu une cape comme celle-là. Il vaut mieux que je quitte Florence. Où vas-tu aller? Mon oncle Mario a une maison à Monteriggioni. Tu es toujours recherché, Ezio. Que puis-je faire contre ça? J'ai vu des avis de recherche dans le quartier. Arrache-les et les habitants oublieront ton visage. Les crieurs publics vont monter les foules contre toi. Si tu les soudoies, ils parleront d'autre chose. Tu peux aussi traquer ceux qui ont porté un faux témoignage contre toi. Ils ont menti pour de l'argent, après tout. Personne ne pleurera leur mort. Remplis l'une de ces missions, et tu pourras quitter la cité. J'ai prévu une routine chargée de vérifier ta notoriété. Ce petit indicateur t'aidera à te situer sur une échelle qui va d'incognito à notoire. Il t'aidera à agir en connaissance de cause. Cet indicateur te dira également si le niveau de notoriété fait partie du souvenir d'Ezio. Ah, te revoilà, Ezio. Alors, tu as réussi? Oui. Mère? Ezio! Mais où étais-tu? On nous empêche de partir. Et mère? Ah, elle ne parle plus depuis que nous avons quitté la maison. Mais je sais que père va tout arranger. Où est père? Et Federico? Et Pedruccio? Hmm? Je n'ai rien... rien pu faire. Que veux-tu dire? Non, c'est impossible. Claudia. Non, 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 non. Tu sais, j'ai tout essayé, Piccina. Écoute, ce qui compte maintenant, c'est de trouver un endroit sûr. Mais pour m'aider, il faut que tu aies les idées claires. Est-ce que tu comprends? Bien. Tu peux veiller sur notre mère? Alors, nous sommes prêts. Encore merci. Merci pour tout. Sois prudent, Ezio. Reste vigilant. Tu as encore beaucoup de chemin à parcourir.
Suivez-moi. Il a accompli de glorieux exploits pour tous. Fiche le camp. Qu'il exécute ce qui nous menace. Ah là là, ils n'ont qu'à bien se tenir, ou ils exhaleront leur dernier soupir. Ah là là, ils n'ont qu'à mieux se comporter, s'ils ne veulent pas succomber. Homme d'honneur, levez votre verre, protège les pauvres de notre temps. Buvez à la santé de notre protecteur, qui sans nul doute se brillera au firmament. Même quand l'ennemi est en surnom. Ayons le cœur rempli de joie, craignons parmi nous. Réjouissons-nous à ses enfants et devant lui prosternons. Ils peuvent avoir pas ses ennemis et la valeur donner ses alliés. Et si l'un de par malheur le trahit, le glorieux dans la joue sera célèbre. Il exécute ceux qui nous menacent, il n'est pas succombé. Eh bien, nous, va-t'en, chien. Un fauteur de troubles qui assouvit ses instincts bestiaux. Ah, on va t'administrer un remède. Bien, vous savez quoi faire. Donne-moi un baiser, Justin. Regardez-moi ça. Pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous? Je ne sais pas. Est-ce qu'on reviendra un jour? Je ne sais pas. Allons-y. On va nous prendre notre maison? Je ne sais pas. Est-ce que...
Est-ce qu'ils ont eu une sépulture décente? Oui. Bien sûr. Nous y sommes presque. Gratia a dio. Bien, par ici. Buongiorno, Ezio. Alors comme ça tu as quitté Florence sans même passer nous dire au revoir. Ezio! Qu'est-ce que tu veux, Vieri? Ah, je veux tellement de choses. Un palais plus fastueux, deux nouveaux destriers, une plus jolie femme. Ah, j'oubliais! Et ta tête. Ah, j'oubliais! Mes condoléances pour ton père et tes frères. Tu réagis. Tu ne peux même pas imaginer le sort. Je les ai à ta mère et à ta sœur. Ah, ce petit jeu ne m'amuse plus. Achevez-le. Et n'épargnez pas les femmes. Mais c'est de la sorcellerie! De la sorcellerie? Non! Allez, montre-toi! Comme tu voudras. Tiens, attrape! Tuez-les tous! Jusqu'au dernier! Merci infiniment. Garde l'épée, Ezio. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Mario! Oncle Mario? Ça faisait longtemps, Ezio. Trop longtemps. J'ai appris ce qui s'est passé à Florence. Désolé. Viens. Vous ne devez pas rester ici. Alors, raconte-moi toute l'histoire. Ils ont exécuté mon père pour trahison. Puis Federico et Petruccio aussi. Maintenant, ils me cherchent. Sais-tu pourquoi? Je l'ignore, à vrai dire. Mais je détiens une liste de noms pris à un homme qui voulait me tuer.
Je n'arrive pas à croire qu'ils sont morts. Sois fort. La vérité finira par éclater. J'aimerais partager votre optimisme. Allez, encore un effort. Nous y sommes presque. Je suis certain que Monteriggioni te plaira. Je croyais que Monteriggioni et Florence étaient rivales. C'est le cas. Mais l'an prochain, elles seront alliées, à n'en pas douter. Puis d'autres querelles éclateront, et ainsi de suite. J'ai un peu de mal à suivre, parfois. Tous ici sont d'honnêtes gens, qui travaillent dur. Les biens que nous produisons ne sont pas très élaborés, mais bien conçus, et aussi très fiables. Et nous avons notre propre chapelle. Je reconnais que le prêtre est un brave homme, mais pour ne rien te cacher, je n'ai jamais été un fervent croyant. Tu savais que la Villa Auditore a pratiquement 200 ans ? Elle a été construite par mon arrière-grand-père, un homme étrange, détenteur de nombreux secrets. Qui sait, tu en découvriras peut-être quelques-uns si tu regardes bien ce qui t'entoure. Malheureusement, les guerres incessantes ont transformé cet endroit. Ce n'est plus le havre de paix que j'ai connu jadis. J'aimerais pouvoir faire quelque chose, mais je n'ai ni le temps ni les moyens de tenter quoi que ce soit. Ainsi va la vie, pas vrai? Nous y sommes. Casa Dolce Casa. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je suis sans voix, mon oncle. La villa a connu des jours meilleurs. Si seulement j'étais moins occupé, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle retrouve son allure d'antan. La visite est terminée, Ezio. Tu devrais te procurer de quoi t'équiper. Rends-toi au marché, mes hommes t'y attendent. Quand tu en auras terminé, nous pourrons enfin nous mettre au travail. Au travail? Comment ça? Tu es bienvenu ici pour t'entraîner. Ne vous méprenez pas. Je devais fuir Florence et maintenant... J'ai bien l'intention de mettre ma famille à l'abri. As-tu pensé à ton père? Il voudrait que tu finisses ce qu'il a commencé. Que voulez-vous dire? Mon père était banquier. Attends, il ne t'a rien dit? Je ne vous suis pas. De quoi parlez-vous? Mais où avais-tu la tête, Giovanni? Bon, je ne sais pas par où commencer. Va t'équiper au marché. Cela me donnera le temps de réfléchir. Mais... Ne discute pas. Nous bavarderons plus tard. Prends cet argent. Tu en auras besoin. Et si jamais tu voulais te reposer un peu, j'ai fait préparer une chambre pour toi, au dernier étage de la villa. Et moi qui vous prenais pour un homme du peuple. Venez, mes amis! Je vous souhaite un prompt rétablissement, mon ami. De nos articles n'est plus à faire. Nos armures et nos prix sont dignes d'un empereur.
Ça va aller. Nous ne resterons pas ici très longtemps. Je n'aime pas cet endroit. Je veux rentrer à la maison. Je sais. Salut, t'es mon oncle. Je suis de retour. Tu n'as pas traîné, je te félicite. Bien. Il est grand temps que tu apprennes à te battre. Non. Comme je vous l'ai dit, nous devons partir. Ezio, tu n'as aucune chance contre Vieri. Si vous partez maintenant, vous ne tiendrez pas plus d'une semaine. Tu veux t'en aller? Très bien. Mais prends au moins le temps de maîtriser quelques techniques qui te permettront de te défendre. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour ta mère et ta sœur. D'accord. Très bien. Tu sais manier l'épée, cela ne fait aucun doute. Mais l'attaque seule ne garantit jamais la victoire. Tu dois résister et donc te défendre. Je vais t'apprendre à esquiver. Vous disiez que mon père n'était pas un simple banquier ? Inutile de tergiverser, je suppose. Ezio. Vous le savez aussi bien que moi. Mon père était dans les affaires. Non, tu te trompes, il a été entraîné pour tuer. Bene, je t'ai montré comment esquiver les coups de tes adversaires. Tu vas maintenant apprendre à les retourner contre eux. Quand j'y pense, cette histoire d'assassin et de templier, ça n'a pas de sens. Pas plus que des messages codés sur un vieux parchemin, si c'est à ça que tu penses. Qui vous en a parlé? Tu portes l'épée de ton père, alors j'en déduis que tu es également en possession de la page du codex. Tu vas rester planté là, indéfiniment. Tu sais, normalement... Il te faut la permission de ta maman. Tu progresses vite, Ezio. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils qui t'aideront à te placer correctement lors d'un combat. Ta position et ta façon de te déplacer peuvent faire la différence. Tu crois que je ne t'ai pas vu en train de fouiller dans ma bibliothèque? J'espère que tu me crois maintenant. Oui. Mon père était un assassin. Mais pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé? Les Templiers, ça t'évoque quelque chose? C'est un ordre de chevaliers fondé à l'époque des Croisades. D'après les livres d'histoire, il a été officiellement dissous il y a environ 200 ans en France. Mais la réalité est tout autre. S'ils ont été contre-deux dans l'ombre, leurs viles activités n'ont jamais cessé. Bien joué, Ezio. Tu as montré de quoi tu étais capable. Merci, mon oncle. Vous avez tant fait pour moi. Tu es ma famille. Je suis un peu responsable de toi. J'ai bien fait de rester. Bien. Alors, tu as changé d'avis? Nous partons pour l'Espagne, dans 3 jours. Mais Ezio, si je t'ai enseigné toutes ces techniques, c'est pour que tu sois mieux préparé à affronter nos ennemis. Et s'ils me trouvent, je les tuerai. Tu veux partir, Ezio? Tu veux tourner le dos à la cause pour laquelle ton pauvre père est mort? Renier ton héritage? Soit. Va-t'en. Arrivederci et buona fortuna. Non, attendez. Il a l'air contrarié. Cela te surprend. Vieri nous harcèle depuis le jour de ton arrivée. On s'y attendait, à vrai dire. Il a de qui tenir. –
Mon oncle? Mais où sont-ils tous? Partis à San Gimignano pour tuer ce serpent de Vieri. J'aimerais tant les rejoindre. Tu trouveras ce qu'il te faut aux écuries. Regarde-la, Ezio. Elle refuse toujours de parler. Elle passe ses jours et ses nuits devant les plumes que Petruccio collectionnait. Elle n'a pas accepté sa mort. Je ne sais plus quoi faire. Ne t'inquiète pas. Elle va se reprendre. J'en suis persuadé. Je vous en supplie. Je vous en conjure. Ne
Ce jour est béni des dieux. Le plaisir est pour moi, mais c'est... Il est agile, c'est indéniable. Jetez un coup d'œil sur les derniers modèles dessinés par le plus génial. Ah là là, ils n'ont qu'à bien se tenir. Où ils exhalent. Soyez les bienvenus dans ma modeste galerie. Les amateurs d'art y trouveront leur bonheur et les pénitents en quête d'absolution ne seront pas prêts. Les peintures sacrées sont si belles que ceux qui en feront l'acquisition seront lavés de tout.
Le passé. Un vaste réseau où tout est interconnecté et gouverné par le hasard. N'est-ce pas ? Va-t'en, chien! La qualité de nos munitions est reconnue dans le... Ah, ça ne coûte rien de regarder! Au revoir! Cher client! Signore, e parli di moi a vos amis.